bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Book of Fours. On reprend notre aventure, toujours un petit peu fatigué, mais prêt à faire des étincelles. Alors on a plein de trucs à reposer, parce que j'ai un peu merdé. Mais c'est pas grave. En attendant, on va aller ramasser des pommes de terre. Voilà. Et je vais quand même tenter ici, même s'ils nous disent qu'il n'y a pas grand chose, parce que peut-être que pas grand chose, c'est quand même de la... De la cire, et de la cire, ça nous permettrait peut-être de faire des bougies. Donc on va en profiter. Carottes, tomates, marrons et des oignons. Allez, c'est parti. On va faire ça. Ça va occuper un petit peu nos bonhommes. Faut pas oublier de parler à la rose 4. T'as raison, c'est vrai que du coup je pourrais essayer plutôt que de la... Alors si je voulais avoir la rose, il faudrait que je la monte à 12. Donc au mieux, avec notre fête, on a 3. Elle va venir avec 4. Donc on va la monter à 7, 8, 9 avec un souvenir de base. Est-ce qu'on a des outils wood type rose? On a 2-3 bouffes qui traînent. On peut lui filer un peu de whisky, ça fait 2, on passe à 11 et on lui file une petite baie, on passe à 12. Et on est bon. Ouais, on pourrait la recruter. On pourrait la recruter, ça se prend. Surtout que lui, du coup, pour le moment, on est coincé. Ce qu'il faut que Ascendant Harmony se fasse. Donc on peut la recruter. Ça coûte une blinde, par contre. Hein, mais on a les moyens. Pas de problème. Hop, on l'embauche. Il va falloir qu'on repose doublement notre rose, potentiellement. Donc, on la mettra certainement là. Et plus vite. Hop là, on récupère notre monnaie, on fusionne ça, et du coup, on va tout de suite lui foutre le confounding parable. Au pire, on laisse tomber le bouquin, hein, c'est pas grave, hein, le bouquin il peut attendre. Allez hop, c'est parti. Ça c'est pour le harmonie, et ça c'est pour rien du tout. Ok, très bien. Ici, on récupère notre fête et on a notre édict liminal qui passe level 5. Donc ça déjà, c'est pas mal. Une bonne chose de fête. Il nous faut 30 secondes ici. 30 secondes, on récupère notre faust. Ensuite, on repasse 60 secondes pour régénérer le fest. Ok, très bien. Ici, on a récupéré du macro. Pourquoi pas, un petit macro. Ça fait des animaux qu'on peut nourrir. On va préparer un petit verre de whisky. Hop. Ah, un petit verre de whisky pour la demoiselle. Les petites baies. Et on patiente. Hop. Un petit verre de whisky et passe à 8. Ça va, hein. Non seulement je la paye, mais en plus je lui paye un whisky X en dash, quoi. Tranquille le boulot d'artiste, hein. Tranquille. C'est fait qu'il faut qu'on repose, c'est ça. Hop, on avance.
Et donc avec Faust, il faut qu'on lance un Ascendant Harmony. Tac, Birdsong, Ascendant Harmony, c'est parti. 1 minute 30. Je sais recevoir, exactement. On aura droit à des petites baies. Des petites baies, un whisky. On pourra pas dire qu'on se moque de nos invités. Allez, reviens. Les petites baies, voilà. Tu passes à 9, parfait. Plus 3, ça fera bien 12. Et lui, dans 1:30, on lui parle, il sera à 8. Et ça fera bien 12. Parfait. Parfait, parfait. Hermès, ça suffit. On a fait des câlins toute la journée. Oh là là, il est incroyable. Ah, je vous jure. Alors ici, ah, on n'a rien. On a trouvé un moyen de générer un regret. Ok. Bah, très bien. Bah oui, je me disais qu'on allait bien, générer une petite connerie, un peu de cire, racler un truc du style, mais non. Alors, regret. On l'a déjà regret, je pense que oui. Hermès, tu montes tout seul, hein. Je vais pas t'aider, j'ai autre chose à faire. Alors, non, on l'a pas. Regrette. Ah, si, voilà. Allez, viens, j'ai besoin d'un support pour écrire. Tu viens. Allez. C'est quoi le problème? Voilà. T'as pas eu la notif du démarrage? Ah bah pourtant c'est arrivé sur pire sur Discord, Hardarine. Désolé. Ça fait une petite heure et quart qu'on est dessus là. Alors je vais noter ruche. Notone. Voilà. T'as pas eu la notif de Broubrou non plus. Ah oui, c'est ton tel. Ouais, bah des fois Twitch. C'est pour ça que j'ai fait mes propres bots, hein, parce que. Et ici, on a récupéré. Ah oui, c'est vrai, on récupère un sac et après, faut qu'on l'ouvre. C'est cher tout ça, c'est cher. On le fera à la fin de la journée. Parce qu'on a déjà fait pas mal de boulettes, donc on va se détendre. Parce que tout le monde sait bien, on met des sacs dans le potager pour qu'il y ait des légumes qui poussent. Bah ouais, on creuse et boum, un sac! Tout à fait. Donc, toi t'attends et l'autre il attend aussi. Et poireauté. Exalted beverage, memory et substance. Alors. Ah, on récupère notre Tris++. Ça c'est cool. Pas utile dans le contexte, mais cool. Et fête est prêt, donc on va pouvoir y aller. On passe à 12 de rose, c'est bien ça. Et on choisit après ce qu'il y a dans le sac. Bah ouais, bien évidemment. C'est toute la beauté du potager, on le sait bien. Donc ici, on a dit qu'on s'en foutait de ce livre. Peut-être qu'ils nous le reproposeront, mais peut-être qu'ils nous proposeront quelque chose de mieux. On a combien? On a 4 à investir en plus. Je vais mal entendre le mot. De quoi? Quel mot? Ah, j'ai pas mis mon café. Investir. Oui, investir. On a 4 à économiser. Ah! Non mais pff, je suis mythique. Au secours. Non, on pourra aussi le fondre pour le transformer en fil d'argent. Des fois que on arrive à enfermer Chobiki dans un placard pendant ce temps-là. Bah, tu mets de la bouffe dans le placard.
Si je mets de la boue dans le placard. La bouffe. Ah, de la bouffe. Il y a peut-être moyen que je reste dans le placard. Si je t'attire dans le placard avec de la nourriture. Ouais. Ok, ben notre Ascendant Harmony, parfait. On va pouvoir exalter notre ami. Bon, alors là, du coup, on devrait avoir fait le tour, sauf si on veut reposer notre fête un coup. Ça vaut bien le coup. Non, je pense qu'on va plutôt ouvrir le sac. Avec un chapt. Alors, ah, mais oui, c'est vrai, on peut vraiment choisir. J'avais oublié l'Onmar. On peut vraiment choisir ce qu'on fait, en... ce qu'on a dans le sac en plus. Je me souvenais plus. Qu'est-ce qu'on veut? Des patates? Si ça, c'est potatoes. Spectacle. Qu'est-ce que tu dis, Arnarine? Investir argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix, pas de prix. Une rêve que je n'ai pas. Une pumpkin, des poireaux, des marrows. Je crois que c'est des courges. Des courges, ouais. Oh, des patates. Les patates, c'est bien, on en parlait ce matin. C'est ce matin qu'on en parle? Non, c'était peut-être hier, quand il y a eu le raid d'Ardarine, ouais, effectivement. C'était peut-être hier. Voilà, des patates, regarde-moi ces belles patates pour Sobekar, là. Ouais, c'était pendant Brotato, avec le long ouais, patate. C'était avec Brotato, c'était pendant Brotato, ouais. On va stocker ça sur nos étagères, qui commencent à être un peu pleins. Alors. Mais c'est ça, les marrons, là. Eh, t'étais marqué, tu peux slice it pour faire... Je peux les couper en morceaux avec un couteau pour en faire des chips. Ou alors les griller comme ça. Miam, miam, miam. Oh. Ah, c'est la cuisine à l'anglaise. Hein. En gros, soit tu fais des chips, soit tu les fais cuire tel quel dans de la flotte. Et, Mais non, tu peux rajouter du dripping, c'est marqué. Ouais. Ça, c'est le Britannique prout-prout, quoi. Il fait bouillir ses patates, mais quand même, à la fin, il met un petit peu d'épices, parce que bon, hein, voilà, c'est dimanche. Sérieusement, quoi. Bon, je pense pas qu'on va trouver de livres, mais on va quand même garder un petit peu d'esprit pour le moment. Bouilli, mais avec un topping pour le style. Exactement. Le style, c'est important quand tu cuisines. Ok, on a notre coffin maker à 12. Maintenant, il faut qu'on termine ici. Ah bah, je t'avais dit que t'aurais faim. On va quand même se permettre de cramer un truc pour générer notre omen, là. Avec un shaft, je pense. Et donc le langage. Larry Capenan. Hop, parce que c'est quand même un must-have de l'avoir sous la main, celui-là. L'inescapable confinement. La soie ici et du velours vert. Okay. Ah, on a eu un bruit d'ouverture. Et c'est un magnifique escalier de type escalier avec une bougie. Et c'est tout. Et il murmure quand même. Hein. Il y a une petite bouche là qui murmure. C'était l'escalier que la prêtresse empruntait. Très bien. Il y a les faces, effectivement, des prêtresses qui gardent le truc. Et il y a une bougie de merde, en plus. Hein. C'est une bougie de merde. Bon, bah, du coup, la suite. Alors, ici, ce serait pas à 12. Ah, ici, c'est un tout petit truc, tiens. Ok, faut regarder ça. Donc là, on va te mettre ici. Et donc ici, après les murs à oreilles, les escaliers à bouche. Exactement. Alors, l'église abandonnée. C'est une place sacrée, ok. Donc les heures pour lesquelles elle worshipait, comment on dirait worship, c'est vénérer. Donc il faut une offering de type liquide.
Ah, on peut mettre une préparation de Solomon là-dedans. Ouais, carrément. Ouais. On mettra une préparation de Solomon pendant la nuit. Oh, bah, 3 salles, c'est pas mal, hein. Dans la journée, là. Ça fait plaisir. Ça a l'air d'être un grand truc en plus. Peut-être moins d'avoir des choses intéressantes là-dedans. Quelques ossements et compagnie. Solomon a l'air de passer pour cette pièce. Ouais, tout à fait, ouais. En plus, on en a un peu d'avance. Ardarine, qui est en folie avec les jeux de mots de qualité. En même temps, t'as pas ses refs musicales, alors. Oui, je suis d'accord qu'elle est obligée d'abaisser le niveau pour moi. C'est tout à fait vrai. Est-ce qu'on peut pas mettre un petit regret à dormir au cas où ils nous servent, on sait jamais. Par contre, du coup, il nous reste deux trucs qui servent à rien. Il y a quand même peu de chances qu'on trouve des bouquins dans le nid des. Dans le nid des mouettes là. Donc, je pense qu'on va en envoyer un travailler. Et le Srist là, qu'est-ce qu'il pourrait faire de beau maintenant qu'il est niveau 4? On pourrait commencer à faire du moss. Un moss un peu haut niveau. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec du moss? Tartine de pain avec du chocolat, t'en veux? Est-ce que je veux une tartine de pain avec du chocolat? Je peux faire une encre avec de... Non, c'est bon, merci. Oui, je les ai récup, je les ai lancés en off le catalogage, on les a eu au tout début du live. Je ressasse de ne pas avoir trouvé de miel toute la nuit, exactement, je travaille sur mon regret. Ah oui, c'est vrai, là c'est le truc avec le moss, on peut fumer le. On peut mettre un souvenir et fumer le résultat. La classe quoi. Du coup non. Qu'est-ce qu'on a d'autre en mos? On a ce truc là. Et là, il faudrait que je mette un 9. Alors, est-ce que la cuisine qu'on a débloquée là-bas est fait. Non, c'était pas celle-là. C'était là. Non, elle a pas de moss. Elle a pas de moss, dommage. Du coup, si je prends un petit œuf des familles, là. Là, je peux pas le mettre, on est d'accord. Non, ça c'est un bureau, donc je vais pas cuisiner un truc avec un bureau. Par contre, on a quand même débloqué quelques trucs intéressants là. Là, je peux pas mettre d'œufs non plus. Ici, c'est pas bon. Ici, je mets ça. Je mets ça. Et je mets ça. Je peux faire une larve chimérique. J'aime ce nom. J'aime ce nom. En plus, on va faire éclore un œuf. C'est con que Chobiti soit parti. Hein. Oh bah oui, dis donc, du pain avec du chocolat dedans. Incroyable. T'as même pas mis de beurre. T'as même pas mis de beurre, quoi. Ben, je veux pas. Mais respecte-toi. Mais je vais pas auto-sacrifier le chocolat, je vais pas le dénaturer. Le dénaturer, mais le beurre ça dénature rien. Comme si le chocolat était suffisamment gras en lui-même, quoi. C'est quoi que t'as pris comme chocolat? Oh, pas mal. Bah, bien sûr que t'as pris la petite vache, c'est normal. Pas de beurre, hérésie. Exactement, Ardarine. Et du coup, j'ai fait une mini tartine pour mettre pour deux. Allez, on remet en route. Bah oui, allez, pourquoi pas. Tiens, un petit peu de sucre. Et tellement d'accord avec Chobiti, on ne gaspille pas. On ne gaspille pas quand on met du beurre. Tu mets du beurre, ça relève tout. Ok, on a notre numène.
Parfait. Oh la chaud. Et pourquoi ça parle de bouffe? Parce qu'on n'arrête pas de parler de bouffe. Mes deux poules, elles sont prêtes, ouais. Il va peut-être falloir que je recommande du lait pour les nourrir à l'occasion. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Une gueule colonie. Alors, soit on leur vole des œufs, soit on trouve ce qu'ils ont volé. Non. Okay. Pourquoi pas? Il n'y a rien d'autre à ramasser. Bon. Très bien. À part. Le Bitty mâche avant de parler. S'il te plaît. Et ici, on a quoi? Ah, 12 de Hertz, excellent. Excellent. Mais d'abord, la préparation de Solomon. T'as plus de Element of the Soul? Non, là, c'est la nuit. Hop là, on va unlock en filant un petit truc comme ça. 12 de Hertz, ça se fait carrément hein, avec Mrs. Kyle. Hein. Elle commence à 2 ou à 1, je sais plus. Elle commence à 1. Ouais, donc il faudrait qu'on refasse le truc avec le Thunderskin Pian là. Il nous faudrait. Ah putain, juste à temps lui. Ça c'est cool, il a fini juste à temps. Bon. Cette fois, on s'occupe du bouquin. Alors, est-ce qu'on a dit qu'on avait assez? On a dit qu'on prenait Fête qui avait 3 et qu'on avait toi qui avait 8. Donc, ça faisait 11. Donc, si on met un souvenir, on est bon. Okay, c'est parti. Kufunding Parable. Viens à moi, Kufunding Parable. Non, c'est là, voilà, c'est ça, avec toi, en avant. Alors, toi, t'étais déjà à Tune, donc on t'a monté de niveau, ça nous sert à rien pour le contexte. Le fameux pétard avec R6, c'était exactement à celui-là que je pensais, Lonmar. Et donc, pour le faire, il me faut un souvenir de type Earth, comme par exemple cette sympathique Storm. Et il nous faut... alors il nous faut R.E.B. pour aller la chercher la dame, donc on va le faire avec un petit shaft de base. Et on va être pas mal pour démarrer, donc cela étant fait, on va essayer du coup de faire le truc explosif. Et du coup on pourrait faire un deuxième souvenir, alors il faut qu'on atteigne 12, c'est ça? Donc elle commence à 1... On va lui parler avec, ça doit être Shore ou Else, le maximum qu'on a de toute façon. Ouais, on a 3, donc on la passe à 4. Là, avec le pétard, on passe à 10. Et avec un souvenir même de base, on passe à 12. Ok, donc on n'a pas besoin de refaire un autre... Thunderskin Pian. Juste un Thunderskin Pian et un autre truc, ça suffira. On va attendre que ça s'ouvre. 15 de rose, là, c'est chaud. On a du fog. Il est fort, le fog. Hein. Plus beaucoup, maintenant, vu ce qu'on sait faire, mais... Ouais, encore que, un moon. Alors, il faudrait... Le problème du moon... On a personne qui a moon, hein. Non, il faudrait qu'on trouve un invité qui a du moon. Bah, on va aller voir dans la taverne ce qu'il y a. Après tout, ça ne coûte rien, parce que le penny qu'on utilise, on le récupère direct. Hop. Hop. C'est parti. On va voir ce qu'il y a. On ne sait jamais. Allez, petit souvenir. Travaillez. Alors après, on n'était peut-être pas obligé. Elle a quoi? Non, elle a que 2. Non, ça suffit pas. Il va nous falloir le... Il va nous falloir le pétard. On va la faire fumer un peu, la demoiselle.
On a récupéré un regret qui nous servira, je pense, à rien, mais c'est gratuit, donc... On ne s'embête pas. Ah oui, ici, c'était la larve chimérique, là. Et c'est un animal. Et il est coopératif de base. Ok. Très bien. C'était marqué que tu pourrais l'aider à se développer plus. Bah, j'imagine qu'il doit servir pour le truc de niveau 15. Du coup, j'ai plus de Srist, mais si je mets genre ça... non, il faudrait qu'on le repose à le Srist, donc ok. Est-ce que je peux le poser quelque part? C'est un peu plein ici, hein. Ah si, je peux le mettre là. Au même endroit que lui? Bah non, mais c'est con. D'accord, il revient là. On va le mettre là, du coup. Quoi? Il vieux ou pas? Il veut pas. Est-ce qu'il faut que je le mette en intérieur, peut-être? Où est-ce qu'on va le foutre en intérieur dans le labo? Genre, elle est bloquée dans mon inventaire tant que je l'ai pas fait voler. Ah si, ça y est. T'es bugué de ça. Ah non, mais elle doit avoir une... Bah après, là, j'ai essayé de la poser sur la chaise, mais elle doit avoir un truc qui fait que... Elle veut pas qu'on la pose à l'extérieur, sans doute. Ok, bah écoutez, on essaiera de la travailler demain quand on aura notre cerise qui sera revenu. Ça sert à rien de payer. Bon, après, on peut le mettre à dormir. Bah, c'est pas la minute. Mais nous dispersons pas trop. On a besoin de moss. Là, il y a un 15. Ah, là, il y a un 13 de winter. Il serait franchement faisable, hein. 13 de winter, il commence à 2 l'ami, là. Commence à 2, on a 3 avec notre whist. Bon, par contre, j'ai cramé l'autre pour. Faudra pas lui demander, mais. Donc 5. 10. Une préparation de Solomon et c'est fait. On va m'y aller avec juste des petits verres et des outils si on veut pas s'emmerder. Ouais, on va aller chercher, puis on mettra le truc à se reposer après. Et viens. Hop. J'avais pas vu qu'il était à 13 ce truc. Oui. Alors, cette pièce-là, elle va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a de beau dedans? L'aspect de la hache. Très bien. Le petit couteau habituel des sisters. Ah, de la jervinite. Ça, c'est un truc intéressant. Quelques bougies, encore des bougies. L'aspect de la malachite. Le bois le plus dur de tous les bois. Ok, un petit peu de cire. Un altar de type bosque, excellent. Et de l'autre côté, on a l'aspect de Grail, l'Agia. Calice ensanglanté. Oh, un petit outil de type forge, ok, très bien. Des cheveux humains, de type fabrique. On pourrait faire une poupée avec, si on voulait. On n'a pas du tout glauque. Et du coup, ça nous a débloqué un grail à 12 ou un forge à 12. Ah ouais, là, on est sur des trucs très simples. Là. Et de là, on va pouvoir les faire assez facilement. D'ailleurs, j'ai pas été l'embaucher, Mrs. Gale. Donc, vu que lui, on le récupère, on va aller chercher sa femme aussi. Comme ça, ils travailleront main dans la main. Et en attendant, on va commencer à te monter, toi. Avec ça. Hop, voilà. 7 de winter.
Est-ce que en termes d'outils, alors en termes d'outils, on a le couteau normalement, c'est 1. On peut lui filer un verre d'eau, c'est 1. Est-ce qu'on a de la bouffe de type Winter? Les patates, c'est de type Winter. Bah, on lui file des patates. Parfait. Allez, vendu. Donc Mrs. K, il faut qu'on la travaille sur le Hertz aujourd'hui. Alors bon, il y a l'autre chat qui s'y met. Alors, est-ce qu'on a nos souvenirs? Ça y est, de 1 et de 2. Donc du coup là, on va pouvoir lire ce livre. Non, parce qu'il y en a, il en restait. Ah oui, il faut un skill, sinon ça marche pas. Je pense que oui. Voilà, on est à 13. C'est parti, on learn le mystery. En avant. Du coup, le souvenir était même pas utile, mais bon. Ah si, c'était 12, c'était 12, c'était pas 10. J'arrive, ma doudoune, j'arrive, on va aller voir. Alors, toi, on va te travailler avec... un petit couteau. Voilà. Couteau. Et ici, on a un ingénieur. Donc, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Par contre, on peut mettre... toi à te reposer tout de suite. Voilà. Pendant que l'une a un pétard, l'autre c'est verre d'eau patate et coup de couteau, exactement. Bah avec son couteau, il peut faire des chips, voilà, et les savourer avec son verre d'eau. Voilà, c'est chacun son truc. Hein. Là, le mec qui fabrique des cercueils, on l'imagine bien posé au coin du feu. Donc, sa femme, c'est une sage-femme, elle a un petit peu plus de d'allant, tu vois, de dynamisme. Il est où mon souvenir, là? Que je puisse faire mon truc là. Il est arrivé peut-être. Il est arrivé mon souvenir. En avant. Il nous faut un skill de type Earth. Donc le Burden Song. Il va nous faire celui-là. Ouais, c'est parti. On lance celui-là. Et en attendant, toi, on va te mettre un Chor. Voilà, tu passes à 4. C'est le maximum qu'on peut faire pour le moment. Non, Hermès, va chercher les croquettes. Allez, hop. Et hop, les croquettes. Ok. Maintenant, on va finir le monsieur, parce que de toute façon, on peut pas tous les faire en même temps. Donc, on lui a mis l'outil, on va lui mettre un verre d'eau. C'est parti. Lui, il est reposé, excellent. Donc, vu que la femme, il va nous falloir du temps pour faire le pétard. On va déjà s'occuper de lui, vu qu'on ne peut ouvrir qu'une seule salle à la fois, autant que ce soit lui qui commence. Finalement, il n'aura même pas les patates, il suffira de lui parler. C'était 12? Non, c'est 13, je crois. Oui, c'est 13, donc ça suffira pas. Je crois que ça suffira pas. Là, je lui parle et il atteint 12. Ouais, non, il va lui faire les patates. Il aura droit à ses patates, hein, Lonmar. Pas de stress. Tout va bien. Bah ouais, imagine, t'as ton verre d'eau et t'as pas de patates, quoi. C'est quand même la loose de ta journée.
comme prendre un whisky sans avoir CB avec, par exemple. Ou du pain au chocolat sans beurre, par exemple. Alors, le livre rouge de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'on y apprend ? La fleur rouge est lourde, mais les racines du veilleur, de l'arbre du veilleur, sont constantes. Ok, très bien. Alors, la fleur rouge est décrite comme la tentation de souffrir. Mais ces souffrances peuvent apparemment être diminuées quand le fruit en cuivre est amélioré avec un aspect du nectar avec des herbes et des infusions, des techniques d'herbes et d'infusions. Ok, ça c'est un indice pour nous permettre de crafter un truc. Une variante de la même approche avec l'encre de puissance. Ok, donc il y a une histoire. Le fruit, le copper fruit. Est-ce que ça serait vraiment du copper au sens du cuivre ou est-ce qu'il y a un fruit de couleur cuivre? L'ardarine, par exemple. Et du coup, on gagne de la satisfaction. Ah ben, on la gardera, ça nous permettra d'avoir un peu de grails. Un peu de grail pour demain. Ok, satisfaction. Alors, satisfaction. Donc, satisfaction. The Red Book of Brittany. Voilà. Pochou est encore malade. Ben oui, malheureusement, c'est pas encore terminé. Oui, mais Chouchou, c'est pas la gastro. Mais c'est pas la gastro, non, c'est ça. Sa toux habituelle, on pourrait dire. Façon de parler, mais. Vous, on va vous recycler au-dessus. Hop. Bah, tu vois, ça, au moins, ça permet que Ardarine ne t'en veut plus de pas avoir pris de beurre. Quoi ? Quelque chose malheur est bon. Du coup, Link of Power, on est niveau combien avec Link of Power 4 ? Il faut du rose et du scale. Ah oui, non, c'est pas du tout ce qu'on a, mais j'avoue. Nous a pas du tout généré ce qu'on voulait. Peut-être pas jusque là. Très bien. Ok, on a le Thunderskin PN. Alors, du coup, ça suffit pas. On est à 4. Là, si on met ça, on est à 4. Donc, on obtient 8. Et nous, on veut beaucoup plus. Donc on va quand même devoir crafter le machin. Bah c'est parti. Chore, on met c'est ça. Et il nous faudrait un memory de plus. Ah oui, il nous faudra atteindre 15, merde. Inspiration, c'est un memory, ça c'est que à 1. Est-ce que je peux faire mieux que ça ? Vraiment. Comment j'ai fait la dernière fois pour le faire? Il y avait deux souvenirs de type herbe peut-être de près. Là si j'en mets un on est à 13, il m'en manque un. T'as pas pris un truc genre ascendant harmonie? Bah non non c'était 15 de. 15 de Hertz plus. T'as loupé une page. Elle a loupé une page ? Où ça ? Bah là, t'as une page vide alors que t'as récupéré. Elle a des trucs derrière ? Bah écoutez, on trouve d'autres choses à mettre dedans. Après, Ardarine, si elle mettait du beurre, ça glisserait plus facilement dans la gorge, voilà. C'est pas un souvenir. Ah ! C'est un objet. Non, il va falloir fabriquer un souvenir de type Hertz, au moins un du coup, de type 2, 2 de Hertz. Mais en vrai, j'ai pas le droit au pain frais. Faut que je limite le chocolat. Et j'ai pas le droit au gras. Hein ? Comment je la mange, la tartine de chocolat, sans pain, sans chocolat et sans beurre ?
Bah, tu peux te dire que du tant coup, qu'à... Tant qu'à violer trois règles, autant violer quatre, hein. Bon, on est reparti pour 60 secondes, c'est pas grave, on travaille lui au corps toujours, il lui reste un truc. Donc, les patates. Les patates. Ben non, si. Ah, tu veux pas les manger? Ah, il faut les cuisiner les patates, elles sont pas mangeables? Ah, elles sont pas mangeables, c'est du cooking ingredient, zut. Bon bah, est-ce qu'on a autre chose que des patates à lui donner? C'est pas sûr du coup, hein. Y'a ça, c'est quoi ça? Non. Viantre! Alors cuisiner les patates. C'est même pas sûr que ça donne du... 10 whiz, truc. Bah ok, allons-y. Préparons notre premier truc. Une air tartine de choco au beurre. Ouais, on va être chaud là pour la fin de journée là. On va être chaud là. Un peu trop de préparation là pour tout ça. J'aurais pu lui filer direct la préparation de Solomon, on aurait gagné du temps. Une fois cuisinées, elles ne seront plus froides, mais ce sera vraiment des chips cette fois. Donc bon. On peut se dire que voilà. Ouais, pas simple cette histoire-là. Allez, on cuisine. Après, faut encore fabriquer le pétard. Toi, t'es à combien? T'es à 4, on a dit qu'on te mettait quoi avec? On a dit qu'il fallait un souvenir de base, hein. Donc il nous faut un autre souvenir en vrai. Ou alors on a un peu de truc de type Earth à lui filer peut-être. Oh, une petite boisson là, un petit chocolat là. Non, c'est du grey là. Un pot de miel, c'est un. Une tisane, c'est un. On peut lui filer ça, le plate là. Allez, le plate. Go. On va lui filer ça et une tasse de chocolat et ça ira bien. Je suis pas sûre d'avoir droit à la brioche à la place de la tartine, parce qu'en vrai, c'est la mie que j'ai pas le droit. Ouais, et puis là, c'était un pain au maïs, donc ça va. Justement, je pense que celui-là, il passe, quoi. Allez, c'est parti, on démarre. Il faut qu'on fabrique l'autre truc, là. Tac, tac, on met ça, on met ça, on met ça. On fabrique le Swaddle Thunder. 2 minutes. Ah, putain, c'est trop long. 2 minutes, c'est hyper long. Lors de la journée pour être alors, prêt. On a des potatoes roasted. Hein? You really need rosemary for rose potatoes. Bah c'est sûr, sans épices, hein, c'est un peu sec quoi. Si je lui donne un outil, tu pourras plus donner le pétard. Ah t'as raison. Oh là là. Bon bah tant pis, c'est foiré pour aujourd'hui. Au moins le pétard sera prêt. On dit des conneries et on en oublie tout. Ouais, on papote. J'aurais dû lui filer une boisson et à manger. Pas ce truc-là. Bon, c'est pas grave. Lui, on peut pouvoir lui donner ses patates, déjà. Voilà. Et toi, ma chère, bah écoute, bah, après, on a utilisé un aspect et un outil, donc on n'a rien perdu, quoi. En plus, c'est gratuit de la faire venir, donc... ça nous a rien coûté, littéralement, mais... si ce n'est un peu de temps. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui nous reste? On a un Ereb. Est-ce qu'éventuellement on peut la booster en grail suffisamment pour le 12 qui est là? On commence à 4, hein, elle est à 4 déjà. Ah mais non, on l'a déjà exalté avec... Elle n'est pas exaltée, pourquoi elle n'est pas exaltée? Elle devrait être exaltée par un aspect de l'esprit normalement. Ça se fait qu'elle l'est pas. Bizarre. On va vérifier après, là. On va voir si je peux lui filer un RM, ça m'étonnerait, mais...
En attendant, on va quand même transformer notre dernier copper, comme ça il sera prêt. Tac. Voilà, un petit peu de recalque. Hop là. Avec les fosses, on pourrait faire du lanterne plus plus. En plus qu'on a un bon lanterne là. Ça fait quoi si on fait 15 de lanterne, genre là. Non, là on peut pas faire du lanterne. On a bien voir un hôtel là de type lanterne. Les hôtels, c'est lumineux, non, les hôtels? Voilà, là. L'altar du soleil qui est de type usherie, de manière assez bizarre. Ah oui, c'est vrai, on peut faire licor vitré ou s'en mettant de la glace. Oui, c'est vrai, on peut faire le... Mais le truc à 15... Le précurseur de l'encre. Bah, le truc à 15, on ne connaît pas encore. Mais justement, est-ce qu'on peut... Oui, mais on n'a pas d'indice. Oui, on n'a pas d'indice. On peut probablement... On n'a pas d'indice, ouais, puis il faudrait... Après, je peux essayer de mettre ça. Non, là, on fait du refoulding, c'est complètement con. Je peux fabriquer l'icor vitreus, mais c'est pas l'objet qu'il nous faut pour faire la suite. Donc là, on sait pas ce qu'il nous faut pour le 15 avec Link of Revelation, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre de type lumière? On a ça. On peut faire de la Xanthotic Essence. Avec un liquide. Mais ça nous apprend toujours pas ce qu'on peut faire d'autre. Non, visiblement rien de très intéressant. Et donc l'air, bon, on va attendre là les 8 secondes là, mais j'y crois pas trop. De toute façon, il faudra qu'on fasse un souvenir et tout, ouais, c'est la nuit, c'est la mort, c'est la mort. Oui. C'est le game over, terrible, terrible. Non, je déconne. Heureusement, non. On va au moins pouvoir ouvrir une pièce. Ouais, vas-y, ouvre-nous cette pièce, ce sera déjà ça de fait. Du coup, avec le RM, alors pourquoi elle n'est pas exaltée hein? Je peux pas lui parler. Moi, ouais, je lui ai déjà parlé. Ouais. Pourquoi elle n'a pas le exalted bizarre? Bizarre, bon. Peut-être un petit bug. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre RM? On a 4 ici, et là, on aurait 8. On peut aller à 12 déjà assez facilement. Dans un petit workshop. Là, non. Là, il y a moins que ce soit Grail. Un truc de... Voilà. Un truc de soin. Un soin. On peut faire la palmomètre avec ça. Je pense que si je remets la palmomètre, du coup, je peux l'améliorer, un truc du style, mais... Mais ouais, du coup, il faut... Workbench qui correspond et le loom, on est d'accord que le loom il est pas de type grain, c'est vraiment bizarre ça. Il y avait toi là. Non, toi t'étais pas de type grail. La cage était de type grail. Où est-ce qu'on avait travaillé sur ce truc? Je sais plus. Non. Le grail c'est bizarre parce que c'est à la fois la vie mais en même temps. En même temps, pas complètement. Moi, je serais curieuse de trouver la fin où on peut ouvrir la chrysalide. Trouver la fin où on peut ouvrir la chrysalide, ben ouais, c'est vrai que ce serait rigolo. Ça. On met ça. On peut faire la flèche de Mohamed. Ah, sans rien d'autre, juste ça. On sait qu'il me faudra d'autres trucs. Ah bah, à go, alors on va faire ça. Une petite flechette mauvaise. Le Grail, c'est la vie? Non, Grail. Grail, G-R-A-I-L. C'est... l'essence de la vie, plutôt. On va dire ça comme ça. Et avec ce qui nous reste, on peut pas... Non, il nous faut 4 souvenirs, donc ça, c'est mort.
du rose et du scale. On a absolument pas ce qu'il faut. On va aller travailler un peu à la taverne avec un Faust. Il y a deux qui restent là. Je sais pas trop ce qu'on va en faire. Ça va peut-être être perdu pour cette journée. Wanana. Et Ink of Power, do you can't do it? Non, je dis qu'il faut. Il faut 4 souvenirs. Ah oui. Et en plus, il faut du rose et du scale pour le monter. Donc. Oh, mais tu sais, moi, je coûte qu'à moitié. Hein. On peut générer nos omens à la rigueur. On peut lire ça. Lire ça. Dans un endroit qui va bien ici. Don't forget. Non, j'oublie pas le langage. Pourquoi tu parles en anglais? Je sais pas. Voilà. Oui. Hop là, voilà, comme ça au moins, c'est pas perdu. Elle va partir, mais on s'en fiche. Bon, c'est pas une réussite, franchement, là, cette journée. Et du coup, ça, c'est du Hurt et... du grail ou de la forge. Du coup, on pourra peut-être tenter de faire la forge, mais ça nous coûte des sous, alors que le grail, c'est gratuit. Hop, on récupère un petit truc persistant. Oh la vache, il faut 16 ici. Violence. Ici, 14 de knock. Je crois qu'il commence à 1. Hein. Knock 1, ouais. Compliqué du coup. 14. Il nous faudrait des trucs temporaires hein, pour ça. Peut-être qu'on peut améliorer les bougies. Hein. Une candle. Un truc qui parle de bougies. De rythme en remembrance peut-être. Ink of Revelation peut-être nous permettra de faire des bougies. Il y a des skills qu'on le truc bougie, je me souviens les avoir vus. Comment j'ai rêvé? Les galaxies. Ah, puis voilà ça. Machin. Ça, c'est de chandellerie. Il y a insecte nectar, pyroglyphique. Mais oui, je partais du haut parce que plus c'est fort, plus mieux c'est, a priori. Celui-là, il s'appelle Light Making. Alors, les most likely ingredients sont la cire et les herbes. Mais pour prendre par surprise les villageois et les visiteurs, faites une pause juste avant le mot en général. Très bien. Donc on pourrait tenter de faire des bougies, pourquoi pas. OMG Chandler. Un problème avec Chandler Voilà, là, à 1,9 secondes, il va pas être reposé notre skill. C'est bien triste. Allez. On fait venir machine. On récupère notre progrès. Mais ouais, les crêpes de la chandeleur. Une référence télévisuelle des années 90. Chandeleur, c'est pas quoi dans Friends, un truc du style? Ah! De la grêle. Ouais, on a un edge à 3 là. Edge à 3. Il commence à 2 le coco. Ouais, à 2. On a 3, on fait un 5. Et on a quoi qui donne du edge de manière efficace? On a du metal, mais le metal plus il fait rien. Et on a le Ereb, mais pareil, il est occupé. Ah, ouais, dommage. Dommage ça. Demève. C'est bien Demève.
peut peut-être quand même tenter un craft un peu qualitatif. Alors dans la forge, elle est en train de travailler la forge. Il y en a un piano, là non. Là il y a du L, je veux croire. Ouais. Équipement là. Mais ça. Écoute donc la voix de la sagesse. C'est quoi la voie de la chaise? La salle qui est ouverte? Oui. Je veux voir juste ce que je peux faire avec mon Edge. De la teinture. Et on peut faire une encre dangereuse si on rajoute des feuilles. Ok. Alors, la salle, c'était celle-là. Oula. Encore un truc qui a l'air... Waouh! Oh là 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 là. Il était une fois un frère et une sœur qui s'aimaient beaucoup. Bah vas-y, la suite. Oh, Ils en déduirent qu'ils étaient un seul esprit séparé dans deux corps, et leur plus grand souhait était de devenir un. Ils ont trouvé l'île cachée où les jumelles, la sœur et la sorcière étaient arrivées quand elles ont traversé le grand océan, et une piscine ou une mare sacrée à l'intérieur de laquelle la lune brillait une seule fois par an. Les jumelles leur ont parlé dans leurs rêves et ils ont appris comment ils pourraient devenir une seule chair et immortels. Mais la résolution du frère s'est affaiblie, et bien qu'il aimait sa sœur, il ne pouvait pas choisir de passer l'éternité en la rejoignant dans une seule chair. La sœur n'a jamais réussi à le persuader, et elle refusait de l'abandonner ou de le forcer. Ils ont donc utilisé leurs arts pour vivre une longue vie, proche mais séparée. Et ils ont fondé tous les deux leur congrégation de moines et de nonnes, aussi chastes qu'ils l'ont jamais été. Mais chaque nonne avait son frère jumeau, et aucun ne pouvait entrer dans la congrégation seul. En leur temps, la sœur a trouvé sa propre immortalité. Et depuis ce jour, elle traverse le monde sous la lumière de la lune. Le frère mourut, et ses os sont enterrés dans la pièce en dessous le puits. Mais ses enfants vivent. Ok. Ah, mais tout est chelou dans ce jeu, Ardarine. Ah oui, clairement, l'univers est chelou. Hein. Rowena, la Ligéiane, protectrice de la maison, qui tient la clé de la pierre des vers. Ils ont un problème avec les vers aussi. Hein. Qui ouvre la porte vers le grand nulle part. Ok, très bien. Fantastique. Mais pour une fois, toute l'histoire est claire, ça change. C'est vrai que c'était relativement lisible cette fois. Et ici, on a une Sealed Vault. Donc là, on a la Red Wax. Ici, on a la White Wax. Donc la cire blanche. Et ici, on a la cire noire. On progresse. Bon, du coup, l'objectif, ça pourrait être de faire cette leçon-là. Et du coup, de base, est level 4. Elle est déjà à tune, mais ouais, on peut la monter. On a dit que de toute façon, dans ce let's play, on prenait les bonnes leçons. Donc, il nous faut du rose et du scale, et il nous en faut 4, donc moins 2. On peut peut-être garder les omens. On a lui aussi, bon, on en a 3 en fait, de base, là. Donc il nous en faudrait juste une
de type rose. Allez. Un petit co-founding parable. On va le lire avec un chap, non, un whist. Allez, vendu un whist. On va récupérer nos aspects fatigués du coup. Alors, on retente notre chance avec elle. On va mettre un short plus, ça suffit. Voilà, on passe à 4 de Hearth. Franchement, il tournait à quoi pour écrire des trucs comme ça pour toutes les pièces et tu parles même pas des bouquins? Ah ouais, non, mais l'effort d'écriture, il est franchement, il est ouf. Hein. Ça y est, on a notre Swaldon Thunder, enfin. Donc du coup, si on recompte, elle a 4, avec ça elle a 10, il lui faut 2 de plus, donc il nous faut un souvenir de type Earth 2. Allez, c'est parti, un souvenir de type Earth 2, en avant. Mais ouais, ouais, enfin, de toute façon, globalement, le lore du monde, déjà, est quand même assez excellent. Et après, tout ce qu'ils ont écrit et développé autour, c'est franchement, c'est un taf monstrueux. Hein. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas de traduction à faire. Hein. C'est bien pour ça que les traductions sont compliquées, ouais. N'oublie pas d'aller chercher la madame. Ouais, elle est là. Elle est ici. Elle travaille déjà. Et d'ailleurs, ce que tu aurais pu faire la dernière fois avec ton aspect de l'esprit qui faisait rien, c'est aller fouiller dans les mouettes. Il faut un aspect de l'esprit très particulier, je crois, dans les mouettes. Ah. Il en faut un de ces trois types-là. Faust pourrait le faire. Sinon, c'est forcément Earth ou Fête. Ah ouais, y a pas de mal, Lonmar, hein. Tu fais bien de me le dire, hein, parce que... Vaut mieux le dire plutôt que le manquer, très clairement. C'est quoi ce machin? Rose perle, ok. Une gemme. Allez! Vas-y, joue avec ça. C'est parti. Bon, on va essayer d'ouvrir cette salle. L'épisode est un petit peu long déjà. Ce serait bien d'y arriver quand même. Juste pour le plaisir. Et là, du coup, on a notre flechet de Momette. Ouais. Magnifique. Il, du coup, nous permettra de booster un bon coup le Grail, si on le souhaite. Alors, j'ai regardé sur le wiki, mais il n'y a pas d'infernal device dans le jeu pour le moment. Donc, il n'y en a pas qui peuvent exploser. Et ça sous-entend que peut-être un jour... Il y en aura. Peut-être qu'il y en a qui ont été ajoutés par le DLC et que les gens n'ont pas trouvé aussi encore. Le wiki, ça reste un truc communautaire, donc... Ok, ça c'est juste un souvenir. Et du coup, on est bon pour ça maintenant. Passons l'heure que c'est l'heure de débuter la popote pour ce soir. Bah voilà, tu vas redonner fin à Chobiti. Merci quoi. Merci. Elle est là avec sa bouche là. Et fin. Manger. Il faut du fait ici. Hop. Après, on est d'accord, hein, si elle avait mis du beurre, voilà, elle aurait pas faim. Faut dire les choses, quoi. Il est où notre souvenir? Il est en train de se faire. Hop. Hop. En avant. On pourrait faire un Ascendant Harmony avec le Hail là pour le sécuriser, tiens. On va faire ça. Est-ce qu'on a un Faust? Ah, on n'a pas de Faust. Ils sont tous en train de travailler déjà? Bah, du coup, on va pas faire ça. On va pas sécuriser ce truc là. Est-ce qu'on pourra le mettre à dormir? Non, c'est un Wither, on peut pas le mettre à dormir. Vous en mettez autant que ça du beurre sur vos tartines? Ah non, mais Lonmar, si tu fais une tartine, il doit y avoir du beurre dessus. C'est pas une question de mettre autant de beurre que ça. C'est qu'une tartine, il y a du beurre. Voilà. Y a...
C'est pas une question de concept ou de discussion ou de voilà. Tu prends du pain, tu prends du beurre. Non, je suis pas d'accord. Une tartine de Roquefort, je mets pas de beurre. Ah si, tu mets du beurre en dessous de Roquefort, bien évidemment. Ah mais il nous reste un livre qu'on n'a pas démodi, tiens. Ah oui, il fallait 7 de Hearth. Avec le petit Thunder machin là, on va peut-être tout de suite s'en refabriquer un autre, tiens. Il nous faut un souvenir de type Hearth de nouveau. Ben, c'est parti. Oh, la prochaine fois, je vais sur le marché et je reprends du gorgonzola à tartiner. Mais ouais, du gorgonzola avec du beurre, c'est hyper bon. Carrément. Carrément. Faut se lever pour aller au marché. Un petit pétard pour démaudir le livre, ben ouais, exactement. Tout à fait, Lonnemar. Absolument légit. Ça m'embête de pas avoir un petit Faust là. On est le matin, je pense que je vais reposer un Faust plus plus là. Pas parce qu'on a fait un Faust plus plus et que du coup on n'a plus beaucoup de Faust. Ah bah c'est le risque, hein. Force, oui, de les consommer. Et vu qu'on n'a plus de verre d'avance, on va pour out cette fiole. Hop. Voilà. Vas-y, démarre. Ouais, de toute façon, moi je vais pas mentir, hein, je joue quand même un petit peu, je force le trait pour la bouffe et l'argent. Mais si tu parles pas fort pour dire des choses aux viewers, ils t'entendent pas, Chobiti. Mais je sais pas comment le dire. Bah, comme tu l'as dit là. Allez, on déverrouille cette pièce pour voir et on arrête l'épisode. Perturbe cette chouette là, elle est hyper visible même de loin. Parce que ça, c'est assez hypnotique aussi, cette pièce-là. En vrai. Ouais, là, elle est bien. Allez, alors, collaboration, ça doit être qu'on a discuté. Exalted, ça, c'est que je lui ai donné un. Ah, c'est une fabrique. Elle l'a pris comme une fabrique, tiens, pas comme un outil. Bah, tu vois, j'aurais pu le mettre. Bon, après, il n'a pas eu le temps de se faire, mais. J'aurais pu le mettre parce qu'elle l'a pas pris comme un outil, le pétard. Ça, c'est intéressant, ça. Ça veut dire qu'on peut lui mettre un outil en plus du pétard, du coup. Et ça, c'est grâce à elle, c'est parce qu'on peut lui donner des fabriques, donc elle l'a pris en priorité comme une fabrique. J'aime beaucoup. C'est très malin, ça. Elle est maligne, la dame. Elle est maligne, tout à fait. Le jeu est malin. De toute façon, ce jeu est malin. Il n'y a pas trop de débat. Bon, j'ai pas du tout lancé ce qu'il fallait pour cette leçon-là. De toute façon, on crame déjà des trucs. Ici, on a. Alors, on peut peut-être lui donner deux pétards, effectivement, aussi. C'est possible. Si le deuxième est vraiment considéré comme un outil, c'est peut-être possible. Ça, on va en fabriquer un. Donc, alors, du coup, il nous faut un else. Il nous faut le songs. Et on est à 8. Ah, ouais, bah, je mets ce else là, ça suffit pas. Donc on va mettre celui-là, tant pis. Et au moins on aura le Ascendant Harmony, il va tenir la nuit. Et du coup, avec l'autre else, on va aller chercher encore quelques légumes. Alors, on va mettre ça. Tu veux faire des légumes ou tu veux faire... Faire des légumes. Moi, je veux aller fouiller le nid des mouettes. Tu veux qu'on aille fouiller le nid des mouettes? Eh ben, on n'a rien pour le fouiller. Ben voilà, c'est parce que t'as mis le cœur dans Mais les oui, patates. exactement. Tu vas leur voler des œufs, quoi. Bravo, le bel état d'esprit. Le bel état d'esprit. Ben, je veux leur piquer les trucs qu'elles ont piqués. C'est pas ce que t'auras. Ben non. Alors, ah, il y a des livres à cataloguer, excellent. Donc ça, c'est une chambre, semblerait-il. La cellule de l'ermite.
Il y a un workbench de l'ermite. Ok, très bien. Avec de la caillasse. Il y a un petit... c'est cool, hein, avec son petit bureau et tout, sa petite fenêtre, là, le petit poêle. Il est où ? Ah oui, c'est le dodo, je voyais pas le dodo. Il a du sang de janvier. Ok, putain, c'est fort, hein. Il a plein de bouteilles. Il avait sa petite réserve personnelle, le mec. Un lit. Ok, très bien. Ah, et on lui faisait descendre sa bouffe à travers le plafond, quoi. Ah bah, c'est un ermite, faut pas qu'il... Alors, qu'est-ce que ça dit, l'histoire ? Les mots « William le Rouge » sont écrits sur le mur. C'était le nom de l'homme qui a lancé une malédiction sur Hendrik Deulf. Ok. L'homme que Hendrik Deulf a emprisonné en dessous de la maison. D'accord, donc en fait il l'a scellé là-dedans, quoi. Et ça n'a pas l'air d'une cellule. On dirait qu'il ne peut pas y avoir eu de verrou. Peut-être que l'autre histoire est vraie. Que William était un initié de Thunderskin, encore un ordre sûrement, l'ordre de la foudre, qui était secrètement maintenu par Hendrik pour le mettre, pour lui apprendre les anciennes manières, entre guillemets. Et de toute façon, qui étaient vraiment les Deulf? Ok. Orbil, on a trois livres à cataloguer. Tu veux que je pose le chat avec les mouettes, mais il n'y avait pas trop d'endroit au sol, je pense pas. Pas vraiment de sol, quoi. Des caillasses. Bon, le chat, je sais même plus où on l'a mis. Bah, on l'avait mis au coin du feu, ouais, mais... Avant, il était au pied de mon lit, mais tu as voulu que je le bouge. L'escalier ! Ah oui, c'est vrai, il nous représente, ou un truc du genre. Oh, il est là. Il nous représente et... Et ça représente le 13e. D'ailleurs, on a tout le monde. Non, il nous manque le sœur de Librarian. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé de buste. À mon avis, on a dû le manquer. Faut qu'on regarde les bustes qui nous manquent. Mais pas tout de suite. D'abord, on a des livres à cataloguer. Avec nos trucs qui restent là. Tac. Et un autre livre qui fait lock ou forge. Voilà. Hop et hop. Et du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment, n'hésitez pas. Je bois mon petit coup d'eau. Faire ma petite sauvegarde. Tac. J'espère que ça vous aura plu. On progresse doucement, ça devient un petit peu plus compliqué, faut pas faire de boulettes, mais on progresse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde!